Ne baissez pas les bras, Bertrand. Pour faire un beau ravi de la crèche, il faut lever les bras. Oui, et j'imagine que c'est vous qui avez finalisé la distribution des rôles. Oh, Bertrand, considérez que c'est le cadeau que vous me faites. C'est mon premier Noël à Saint-Marcel. Ça fait pratiquement un an que je suis arrivé, nous voilà repartis pour une nouvelle année. Il faut marquer le coup, c'est l'esprit de Noël. Oh, ben, vive l'esprit de Noël. Ben, pour Joseph, il me fallait un barbu. Bon, j'avoue que l'idée de vous filer le rôle de Marie m'a traversé l'esprit. Mais passer la nuit de Noël au poste pour outrage aux bonnes mœurs, hein. Et puis considérez que le ravi, c'est un beau rôle, hein. Rappelez-vous les béatitudes, hein. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Ben vous, avec votre tête et votre costume, on vous file les clés directes. Oh, vive l'esprit de Noël. Sinon, une idée en passant, Bertrand. Et si l'année prochaine, pour le récit de la nativité, on choisissait des enfants qui sachent lire? Bon, je dis pas des comédiens qui donnent le ton et font vivre le récit, non. Juste qu'on passe pas 40 minutes sur 15 lignes. Vive l'esprit de Noël. Dites juste une question. Pourquoi on n'a pas chanté les anges dans nos campagnes? Ah, les gens, ils veulent deux choses. Il est né le divin enfant et les anges dans nos campagnes. En n'en chantant qu'une, je crée la frustration. Et hop, ils reviennent tous le dimanche suivant. C'est du marketing, Bertrand. Ah, l'église est plus moderne que vous ne pensez. Vive l'esprit de Noël. Bon, on va la manger, cette dinde. Ah oui, mais là, on joue sur mon terrain. Alors, voilà votre costume et vous allez voir, le texte est très court. Tiens, répétez après moi. Oh, 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 joyeux Noël, les petits enfants. Ah non, je ne participerai pas à cette mascarade mercantile et païenne. Que vous le vouliez ou non, ouais. C'est ça aussi, l'esprit de Noël.